A different case, A new, not a newcomer but a still a young stallion, Don Approach. is a chestnut horse. Could you introduce uh, this horse uh, to the international public? Well, Don Approach is a son of New Approach, who's a very, very good racehorse. Uh, new Approach was unbeaten as a two year old um, and won the Irish Derby and the uh, English Champion Stakes in, in, in brilliant style. Um, his son, Don Approach, um, Likewise, unbeaten as a two-year-old. Not only that, he won the first two-year race of the year in Ireland. Stayed unbeaten, went to Rylasca, won the Coventry Stakes, and finished up winning the Dewhurst in, in incredible style. Et suivre ça ensuite avec un win et les C'est une performance exceptionnelle pour un horse de rester unbeaten comme un 2-0 et puis de gagner les Guinnesses. Alors, je vais couper je, parce qu'il coupe qu y a tellement de choses, d'informations. Et oui, alors, un, euh, Dono est un jeune étalon, lui-même issu d'un jeune étalon, New Approach, qui était un champion à 2 ans et à 3 ans, puisqu'il a gagné le derby. Et Dono Approach, un peu dans le même esprit, il est resté invaincu à 2 ans et pas que ça, il a gagné le Dee Stakes à la fin de l'année, mais il avait commencé par la. Gagner la toute première course du programme irlandais pour les deux ans, c'était. It was in um, uh, April or March or May the first race he, he won. April. April. En, en, en avril. Et puis à trois ans, eh bien, il a duré puisqu'il a gagné les Guinées. Alors un jeune étalon, que comment se passe-t-il? So uh, could you explain the his young career as a stallion? He travels a lot already, he? Hein? Uh, well, Donna Pocha, he, he was full here the first year, uh, oversubscribed, um, every breeder wants to use him and um, following his season here, he shuttled to Australia and was very popular in Australia. Um, like, like the Irish breeders, the Australians like two-year-old speed, toughness, soundness, durability and uh, so he was, he was very popular down there. He's returned here now, we've got uh, his first foal on the ground, a very nice filly um, out of an Indian Ridge mare and we're very excited about Don Approach's progeny. Alors voilà, il a commencé sa saison de monte en 2014. Il était plein, 150, something like that, 130, 150. Voilà, 150 juments euh, en 2014. Ensuite, il est parti en Australie. Il a enchaîné. Il était plein aussi euh, là-bas, là-bas aussi. Hein, les éleveurs cherchent de la vitesse. Et puis de retour euh, ici en Europe, en Irlande en 2015, il est de nouveau plein. Il va être limité à 130, 130 this year, I think. Yes. Il va être limité parce qu'il fait les shuttle donc il ne faut pas non plus trop tirer sur la ficelle. 130 juments. Et donc les premiers foules viennent de naître et ils sont assez costauds. Ils sont comme lui. Voici donc pour la jeune carrière de Don Approach.